suis née sans mes membres supérieurs. Il n'y a pas vraiment eu d'explication à cela. C'est peut-être dû aux pesticides. Certes, je n'ai pas de bras, mais c'est vrai qu'elle apporte beaucoup d'autres soucis de santé, en partie des problèmes de dos et des problèmes aussi des fois au niveau de mes jambes. Depuis que je suis petite, je suis suivie par un chirurgien, une kinésithérapeute, une ergothérapeute. Je me suis faite opérer à mes 16 ans de la moelle épinière. J'avais quelque chose, on n'a pas vraiment de signification, et du coup j'ai failli perdre l'usage de mes jambes en fait. Et pendant à peu près un an, même plus, je faisais des allers-retours à l'hôpital. Souvent, bah, vu que j'utilise beaucoup mes jambes, je perds de la force en fait, j'en deviens faible parce que les jambes de base c'est fait pour courir et marcher, et moi je fais absolument tout avec mes jambes. Depuis que je suis petite, tous les gestes que je fais avec mes pieds, tout, que ça soit manger, tout, c'est venu en fait tout seul, c'est inné. Avec le temps, je fais des choses beaucoup mieux que je le faisais avant. On va dire que c'est de l'entraînement. Les gestes les plus basiques sont venus tout seul. Ni ma mère ni mon père m'ont montré comment faire, puisque eux-mêmes ne savaient pas comment, parce que c'est vrai que j'ai un handicap qui est très rare. Même les médecins, les chirurgiens, les ergothérapeutes, tous ceux que je rencontre, n'ont pas l'habitude de cet handicap, donc on va dire que j'ai dû me débrouiller seule. Des fois, je suis même pas comprise par les plus grands chirurgiens. Je me considère pas comme handicapée. En fait, j'aime pas le mot handicapée, c'est pour ça que je dis toujours en situation de handicap. Il est quand même là. Ça veut dire qu'il n'y a pas que du positif, ça ramène beaucoup de fatigue, beaucoup de douleur. Donc je ne vais pas dire que pour moi, tout va bien et que j'ai pas de malformation. Ce serait mentir de ma part parce que ça reste quand même très dur à vivre. Au niveau de ma scolarité, c'est très compliqué. Moi, quand j'étais petite, parce que j'étais très accompagnée, plus je grandis, moins il y a tout ça. En exemple, cette année, je me suis retrouvée sans AVS à mes examens. Et du coup, j'ai dû écrire toute seule pendant 5 heures, sans aménagement, par terre. Très compliqué. Aussi la partie fatigue, je ne peux pas me rendre à tous les cours. Du coup, souvent, je perds le fil. Mais j'arrive toujours... grâce à mes facilités, d'être là à mes examens et de pas, pour l'instant, je l'espère, échouer. Et même travailler pour quelqu'un, c'est très compliqué parce que je suis aussi en alternance, je suis pas aussi qu'à l'école. Dire que je suis fatiguée, adapter mon emploi du temps, c'est pas une tâche facile. Du coup, j'ai pris la décision d'entreprendre pour pouvoir être libre de mon emploi du temps et que si je suis fatiguée, je suis fatiguée. Je dois des comptes en fait à personne. Pour moi, ma plus grande réussite, c'est d'avoir passé mon permis, puisque tout le monde pensait que c'était impossible. C'était tellement improbable pour tout le monde. Et moi, j'étais sûre de moi, je savais que je pouvais le faire. Avoir prouvé que je conduis toute seule avec ma voiture, pour moi, c'est ma plus grande réussite. Il faut savoir s'écouter, c'est-à-dire quand on sent qu'on ne peut plus, on ne fait plus. Moi, j'ai tendance à faire, et après, je peux me retrouver à l'hôpital une semaine sous morphine. Donc voilà, savoir écouter son corps, savoir s'accepter, c'est très très important.